Qu'est-ce que tu dis, Tasha? On devrait aller dans la chambre de Booker et jouer avec ses affaires? Ok. Il y a peut-être un truc cool ici. Non. Oh, Booker. Un livre de sortilège. Wow, un sortilège qui donne vie aux poupées. Non, bien sûr qu'on va essayer, Tasha. Mais si ça tourne mal, je dirais que c'était ton idée. Et l'ingrédient final. Détends-toi, ça va repousser. Enfin, si ça fonctionne. Petite bulle et gros bouillon, au chaudron fumant. Que ma poupée prenne vie sur le champ. J'en reviens pas qu'un livre de magie trouvé dans un vieux coffre que j'avais jamais vu n'ait pas fonctionné. C'est vraiment toi? En chair et en os, poulette! C'est incroyable que tu sois devenue réelle! Regarde un peu ça! Je peux bouger mes bras et mes jambes! Je viens de rôter, c'est super! Ça fait des années que je voulais le faire! Alors, maintenant que t'es là, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux aller à la chasse aux bonbons! Je voudrais bien, mais il faut attendre Booker. Tati Raven dit que je dois pas y aller seule. Tu seras pas seule si on y va toutes les deux. Je crois que tu viens de mettre le doigt sur une faille. Notre costume doit être quelque part par ici. Comment se présentent les desserts? Ok. Je vais fermer plus tôt pour aller au concours de costumes. Qu'est-ce que j'ai hâte d'humilier Victor Baxter et sa fille Raven. J'écorche son nom juste parce que ça m'amuse. J'en étais sûre. C'était quoi ça? Ah, Jamal, prenez mon chalumeau. Je vais caraméliser les crèmes à la table des clients. Je pourrais leur facturer un peu plus cher. C'est malin, non?